to the record, baby, and give me the list right now. Salut tout le monde, c'est Interzer. Aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops 3 pour une petite vidéo sur un easter egg. Donc je tiens à m'excuser, à la fois pour mon live je vous avais parlé de YouTube, mais finalement j'avais pas pu le mettre sur YouTube parce que le clip avait droit d'auteur comme je l'ai en avance. Après je pouvais pas faire des captures, je pouvais pas filmer entre le jeu. Du coup après il y avait que les lives qui marchaient, du coup après je pouvais pas vous faire de vidéo. Et c'est bon, maintenant ça s'est débloqué aujourd'hui. Donc ça va être pour un easter egg, le jeu de Dead of Z, je sais plus. C'est le petit jeu qui était sur Black Ops 1, en mode zombie, où même on voyait, on était en l'air, à troisième personne, les graphismes, même c'était un jeu fait en cube. Après, bon, on va voir tout de suite, mais là il était remasterisé, on peut voir la troisième personne, ça il est génial. Du coup pour cela vous allez devoir vous connecter, du coup moi c'est fait là, vous allez en campagne, choisir mission. Et là, vous allez choisir dans les ténèbres. Faire OK. Hop. Donc, normalement, vous allez être là. Là, ça va charger. Et vous avez une petite mission. Il va falloir vous rendre sur un ordinateur. Et voilà. Du coup, là, j'ai essayé de vous le passer parce que ça, j'ai fait. Comme ça va pas gâcher. Sinon, fermez les yeux, j'en sais rien. Dès que je peux, j'essaie de vous le passer. Après j'ai ça, il faut pas que ça vous gâche non plus, vous connaissez tout, rien de dire, c'est bon. On va vous dire là la corde, bon ouais, j'allais vous parler de la corde Winsto, mais j'allais vous dire en fait c'est quoi. Il fait le mode historique, il sait même pas c'est quoi ce qu'il fait. Donc voyez, donc vous allez spawn là normalement dans une petite cabine qui s'ouvre toute seule. Est-ce que les fantômes sont là? Ils sont bien service. Donc vous allez vous rendre sur ce PC. Ok, ça vous le zappez. Et vous allez aller sur tout en haut là. Là où quand vous cliquez dessus, il n'y a rien. Ok. Du coup là vous voyez mon emblème robot, là il y a marque de clan, il y a un gros truc carré. Vous allez aller sur ça. Et là, Dead of Arcade. Voilà, ça le jeu. Là vous allez cliquer. Et là, Dead Ops Arcade. Du coup. Et c'est le 2. La vengeance de cyber. Du coup, c'est un petit easter egg. Donc, je vais le faire avec vous. Hein. Donc, aussi, je suis plus sur Gotaga FR Gamer. Je suis maintenant sur Amami. Donc, pour mon truc, je pense que du coup, je vais galérer. Je vais devoir changer, etc. Donc, les vidéos aussi, il y aura quelques changements sur ma chaîne. Mais, un grave, je pense aussi changer le nom de la chaîne YouTube. Avec Dog Demon. J'hésite encore, je suis pas sûr. Je vais voir. Là, je vous laisse le petit truc. Hein. Enfin, de toute façon, on peut pas le zapper. Là, vous voyez, c'est tueur. Et après, lui qui a tué son pote. Ah non! Et là, ça va être la vengeance. Bon, il s'est fait massacrer, il a encore envie de dire, tu vois. J'adore. Tu vois le sang giclé partout. Le gars. Bug de la rue. Il se relève au calme. Nos dégâts, mec. Tu connais pas les gilets pare-balles? Moi, je te dis peace and mal. Donc, vous voyez, c'est là. Même avec la tête de mort, etc. Sauf que les zombies sont, je trouve, un peu plus féroces. Donc, je vais faire la game avec vous. Hein. Bon, regardez, là, il y a carrément tourelle. Vous voyez le jeu, il est remasterisé, il est là. C'est vraiment sympa, les graphismes de toute façon sont plus beaux. Ce qui voudrait coup, je trouve, en fait, maintenant, c'est d'aller voir quand vous aurez fait cette charrette. Moi, ce que si vous l'avez hein, encore. Moi, je vous dis, ce qui voudrait coup pour vous, c'est d'aller voir sur Black Ops 1. Comment ça change. Moi, je pense que je vais le faire. Enfin, là, pour l'instant, je peux pas, j'ai des problèmes avec ma télé. Je pourrais pas, mais après, je pense que je vais le faire. On va aller dans le bateau. Et normalement ça... Ah non, ça change. Tout à l'heure j'ai été dans le bateau, je l'avais déjà fait avant.
Et c'était la salle des trésors, je voulais voir si c'était encore la même salle. Pourquoi il tire partout? Ok. Bon après, je l'ai bouffé donc. Vous imaginez après? Ils sont sur Black Ops 4. Bon, s'il y en a un. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Merde! Faut bouger la caisse là. Ça, vous voyez, c'est le 2. Maintenant, vous pouvez camper derrière ça. Quel con. Allez hop! Allez, shot, plus 300 points. Franchement, ça fait mal ça. Allez, on va aller dans la tête de mort, stylé. Quand même, les graphismes sont bien mieux. J'espère que j'ai tombé ça sur le truc à la première personne. C'est grave d'art, vous allez voir. Bon, les graphismes, voilà quoi. Je trouve que c'est bien fait. Non, pas la première personne dans cette manche, peut-être à la prochaine. Tout à l'heure, j'en ai eu au moins 5 manches, comme ça. Bon. Oh, on peut nager là, non? Merde. Je les avais pas vus, les petits zombies. Ah oui, ce truc d'appareil là. BAM! BAM! On fait une nage. Non, je sais pas pourquoi. Non. Allez, on passe par là. Toujours aller dans le bateau. Ah, voilà, première personne. Avec les poubelles qui tournent autour. Mon fameux. J'ai encore mes poubelles. Non, merde, je les ai plus. Vite, on se casse! On va à la nage! Donc là, il y a une très barrière. On va laisser arriver un petit peu. Bon, par contre, vous voyez, mes extrémités, etc. On peut pas sauter. Regardez tout ce qui arrive. La vie des zombies est cheatée. On les voit carrément spawn. Ça, c'est stylé, je trouve. Après, il y a des manches spéciales. Bon, après, là, je vous dis si ça vous intéresse. Ah, ça, c'est stylé, je trouve. Du coup, j'avais voulu. Bon, c'est mal fait, mais c'est quand même une série. Après, je vais vous dire. Ah, shot. Après, du coup, je vais vous dire. Là, c'est plus trop pour une soirée quand je le fais. C'est juste pour montrer les monstres, tout ça. Hein. On se fait un petit zombie comme ça, là. Du coup, si ça vous intéresse plus de faire ça. Et que tu as juste une soirée qui vous intéresse, vous pouvez quitter la vidéo. Donc là, c'est plus sympa. Je vais faire un petit gameplay. Après, c'est comme vous voulez. Hein. Là, je vais plus trop dire de trucs importants. Pourquoi il se casse? Ok. Ah oui, ça c'est. J'ai jamais testé de me faire d'aller dans le truc, dans le cyclone. Et je pense pas que j'ai testé. Boah, il est chaud. Ah, maintenant on récupère des crânes, tu vois. C'est quoi ce truc? Boum. Ça, je me rappelle. L'écrasement, enfin. Ah, fils à pont. Ah, salle des trésors. Sale bonus découvert. Vous avez vu, c'est comme ça, sale bonus. D'ailleurs, c'est exactement la même. Et puis, vous ramassez énormément de bonus. Plus qu'avant, quand même. En fait, les bonus rapportent plus de points. Bon, le seul problème, c'est que c'est quand mode histoire tech. Il y a des chances, je pense, qu'il le soit sur mode zombie. Je pense. Mais un peu plus amélioré, ça m'étonne. Putain, mais je suis nul là. En même temps, je suis pas concentré. Je suis vraiment sur... aller jusqu'à une mancheuse. Je vais aller voir. Ah. Ah bah lui, je l'ai tué sans faire exprès. Oh, on peut tirer contre ça? Ça les fait péter? Ah bah non, ça passe à travers. Ça arrive de partout par contre. Il va falloir faire gaffe, j'ai envie de dire. Le spawn kill. Une grande histoire d'amour. Retournez chez vous les zombies. Bon, allez, on va les achever. Allons sous la main. Faut quand même le remettre avec le lance-flamme. On va ramasser quelques petits bonus. Donc là, on est à la manche 6. Je voulais utiliser mon lance-flamme en prochaine. Allez là,
un petit truc vu à la première personne, ça ferait rien, ça ferait plaisir. Ah! Moi, je vais faire gaffe derrière moi. Oh, ça m'a fait peur quand j'ai changé d'arme. Je trouve que le lancement ne peut pas énormément de dégâts. Hein. Allez, t'as voulu toi? T'as tenté, t'as essayé, t'as raté. Allez, c'est parti pour un petit cours de soins des zombies. Ah oui, il y a un truc avec un molosse. Si vous pouvez pas vous agenouiller. Allez, on se casse. Allez, un petit première personne, ça ferait plaisir. Ça m'étonnerait. Oh, première personne. Ah, c'est bien ce qui fait flipper. Oh, ça va, on a une lampe. En fait, je trouve la première personne, c'est plus dur. Le problème, c'est que toi, là, ça arrive à limiter. Là, ça pourrait arriver. Là, je crois que c'est la bombe. Boum. Je me suis juste trompé de touche en fait au début. Je comprends toujours les deux touches. Et puis Black Ops 1 c'est comme ça. Encore une bombe? C'est quoi ça? Oh c'est l'air d'art! Bah. Tous les zombies qui veulent m'arracher. Ça va saigner. Ouah l'attaque! En plus elle les recule tous. Oh c'est d'art. C'est pour un coup de torche. Y'a plus personne? Aussi, vous pouvez pas recharger, c'est munitions illimitées. Hein. J'ai toujours rêvé de me mettre sur ça, la première personne. Allez, des petits lingots d'or. Allez, c'est parti! Du coup, là, c'est la map. Hein. Si vous arrivez là-bas, vous avez gagné tout en bas. Mais ça fait à 4 aussi, hein. C'est largement plus facile, je pense. C'est comme le zombie, en fait. Moi, je le fais tout seul. Oh, ça doit être bon. Ah oui, c'est celle-là du coup, avec les vaches qui passent. Du coup, celle-là, elle est hyper dure. Regardez. Ça vient dans tous les sens. En plus, les vaches, elles écrasent les zombies qui passent juste devant. En fait, c'est un truc où, genre, vous devez faire attention dans tous les sens. Ah oui. Faites gaffe, faut passer. Non, la tour, je l'avais pas vue. Hop, on a fait une petite esquive. Ah, j'ai plus de bombes. Oh, il m'a frôlé. Là, vous voyez, il a déglingué des zombies. Moi, je lui dis, celle-là, elle est grave, quand même. Allez, lance ça va les calmer. On peut les cramer? Non, on peut pas les cramer. Une dernière fois j'étais au lance-grenade, je me rappelle, j'ai essayé de les tuer. Oh, ça les fait exploser, c'est violent. Oh, il m'a frôlé. Oh, par contre, le zombie, il est pas passé. Vite. Ah, il y a encore les traces du feu, c'est bien fait. Aïe. Merde, je vois plus rien, par contre. Bah oui, je voyais plus rien. C'est facile de tuer un mec bigleux. Tu passeras pas. Par contre, le zombie, j'ai fait un T-turn. En fait, c'est une sacrée bonne arme quand même. Quand tu regardes ma emote comme ça. Ah, gorille. Qu'est-ce qu'il fait là? Il me trotte? Laisse ça, putain! Je crois qu'il va me tuer. Mais tout ce que c'est ça, il est failli. Il va plus que moi, du coup c'est galère. Allez, lâche. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est stylé cette salle bonus. Avec les œufs. Ça c'est quoi? Oh, ça va être sympa. Non, je pense que ça aurait pu éclore. Non, il y a déjà ça. Non, c'est toi. Tableau. C'est quoi ce truc? Ça me tue? Non, on va pas tester.
En fait, ça fait. C'est la première fois que je l'ai, après c'est tout. Boum! Passe pas! Casse-toi! C'est d'art ça! Tout à l'heure, ça m'a rappelé, il y avait un petit niveau, il fallait conduire une mini voiture. Enfin, c'était assez mal fait, mais c'était quand même bien. Et genre, fallait faire 4 tours. Et si j'arrivais à le faire, du coup, excusez-moi pour le petit coupage. Si j'arrivais à le faire, et bah je gagnais de l'argent. Bon. Poubelle. Non, je regardais. Je voulais une fois que le boss prenne le truc. Allez, première place, là je vais laisser la petite animation. Réagis pas les zombies, c'est qu'un jeu dans un jeu. Hey, salut toi! Il est content. Les zombies veulent le bouffer. Wouah! Il a regardé qui on voit. La vengeance. Je vais manger ce lot, il est mort. Je suis de retour. Alors.